Un matin, Richard s'est réveillé. Il était très faible. Ses douleurs étaient plus fortes qu'avant. L'infirmière est venue à la maison, puis elle a évalué son état. Puis avec le médecin, ils ont ajusté sa médication. À partir de là, les choses se sont mises à débouler. Des jours, il ne se sentait pas bien, puis d'autres, il était correct. Par chance, chaque fois qu'il y avait quelque chose, je savais que l'équipe le suivait de proche. Il devenait de plus en plus faible. Il avait de la misère à se déplacer, à aller aux toilettes, à se laver. Toutes les petites choses du quotidien là, qu'on prend pour acquis, mais ça devenait notre défi du jour. J'ai été voir le CLSC. Ils nous ont prêté différents équipements pour aider mon mari dans ses déplacements, pour son bain, puis pour aller aux toilettes. Quand Richard était plus capable de se lever tout seul, une infirmière auxiliaire nous a montré comment je pouvais l'aider là, sans lui faire mal, puis sans que je me fasse mal moi non plus. Le médecin venait à toutes les semaines au début pour voir son état, pour ajuster la médication, puis pour nous donner des conseils. Richard aimait pas qu'on le bouge la nuit. Sa peau devenait de plus en plus irritée. L'infirmière nous a parlé du risque de faire des plaies de lit quand on reste trop longtemps couché dans la même position. Elle nous a donné des trucs pour l'installer comme il faut. A bien fallu qu'il accepte que je l'aide à se déplacer la nuit. Quand ses déplacements sont devenus plus difficiles, le médecin nous a proposé de faire venir un auxiliaire 3 fois par semaine pour lui donner son bain. Mais au début, il ne voulait pas. Mais il a bien réalisé que je ne pouvais plus le faire moi-même. J'étais trop fatiguée. Au début, on essayait de faire les choses par nous-mêmes. On ne voulait pas déranger. Mais à un moment donné, il a bien fallu accepter l'aide qui nous était proposée. Richard voulait mourir dans sa maison, mais on voyait bien que je ne pouvais pas y arriver toute seule. Ça fait pas mal de choses à penser, puis bien de l'adaptation, mais ça se fait. J'ai réalisé aussi qu'on a une force en nous là, qu'on ne soupçonne même pas. De le vivre, d'être dedans, ça nous pousse à nous dépasser. Les autres nous admirent, ils disent à quel point on est bon, mais pour nous, ça va de soi. On prend soin d'une personne qu'on aime.